Bonjour, nous sommes mercredi 3 avril, 3 avril, 4 avril, je ne sais pas. Et je reviens parce que j'ai fini deux livres et que je viens vous en parler. J'ai fini en premier lieu Une époque en or de Titu Lecoq qui sort le 4 avril, donc demain, aux éditions de l'Iconoclaste. Donc là c'est la couverture provisoire, je vous mettrai le visuel de la couverture dévoilée. Mais quand j'ai eu les épreuves, elle n'était pas du tout encore finie. D'ailleurs, je m'attendais pas à ce genre de couverture de la part de l'Iconoclaste, mais je pense que c'est voulu pour aller avec un peu la thématique du roman. Mais c'était surprenant. Quand je l'ai vu, j'étais un peu déstabilisée. Au début, je l'aimais pas du tout, et après, je me suis... En ayant lu le roman, je me suis dit que ça allait plutôt bien avec le style d'histoire. Pour recontextualiser Titu Lecoq, moi je la connais juste pour ses essais, j'ai lu aucun de ses romans. Donc c'est la première fois que je découvrais sa plume. J'ai été persuadée de retrouver son humour, je ne me suis pas trompée. Et dans cette histoire, on suit Chloé Berthoul, qui a 38 ans, qui a une vie normale, un job normal, elle a une famille recomposée, c'est-à-dire qu'elle est avec son compagnon, leur fils et la fille du précédent mariage de son compagnon actuel. Les relations sont un peu tendues au début, entre sa belle-fille et Chloé. Au point qu'elle fait partie d'un club qui s'appelle les BMA, les belles-mères anonymes, où tous les lundis, quelque chose comme ça, les gens vont pester sur leurs beaux enfants, et aussi sur elle se confie, c'est surtout des femmes qui viennent se confier sur la situation de belle-mère, qui n'est pas du tout facile, parce que tu, comme elle le dit très justement, tu n'es ni le père ni la mère, mais t'es censé quand même faire partie du tableau familial, donc c'est un peu particulier. Moi je ne m'y connais pas, mais je pense qu'effectivement c'est pas un statut qui doit être très facile à vivre. Elle a quand même un tableau familial en dehors de ça, sa mère, sa grand-mère, enfin il y a vraiment, ils sont tous un petit peu barrés, un petit peu loufoques, et il va se dévoiler un secret de famille un petit peu... pareil, toujours aussi excentrique en fait. Ça va l'embarquer dans une aventure complètement folle, et dans ce roman, Titu Lecoq nous parle de plein de choses. Alors c'est un roman qui est très drôle, qui est haletant, qui se lit tout seul, c'est un peu comme un roman d'aventure, mais en même temps il y a plein de thématiques hyper engagées dedans. Il y a la thématique des familles recomposées, de la famille tout court. Il y a aussi la thématique bien évidemment du féminisme, parce que Titu Lecoq est connu pour ça, et ça aurait été bizarre qu'elle fasse un roman sans parler de ce genre de choses. Il y a aussi les violences intrafamiliales, parce que en fait elle va au début du roman, elle vit dans un immeuble, il se passe d'ailleurs des choses très drôles dans cet immeuble, et en fait elle va croiser le chemin d'un jeune garçon qui doit avoir je pense une douzaine d'années, quelque chose comme ça, qui est dans la cage d'escalier très régulièrement, et en fait au bout d'un moment elle va lui dire bah au lieu de rester dans la cage d'escalier, viens à la maison, tu vas pas rester là, ça sert à rien. Et en fait, elle se doute bien que c'est compliqué chez lui. Elle va pas le recueillir parce que c'est pas son enfant, mais elle va vraiment en prendre soin. Et la relation qu'ils vont nouer est très très belle. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman. Je trouve qu'il est, oui, il est plein de belles choses. Alors c'est un roman qui dénonce pas mal, mais qui n'est pas comment dire. Qui n'est pas, c'est pas un essai, c'est un roman. Donc ça se, en plus elle y met vraiment tout son humour, donc il y a vraiment des passages très drôles où moi j'ai rigolé même à voix haute. Mais il est plein de belles choses, plein de belles réflexions sur la famille, sur le monde dans lequel on vit, parce que ça, elle va aussi parler un petit peu de éco-anxiété, c'est peut-être un peu gros, mais il y a un peu de ça quand même. Et franchement, c'est un roman que je vous recommande chaudement. Il fait genre près de 400 pages, mais il se lit tout seul. Après, les mises en page de l'Iconoclaste sont toujours aussi aérées, donc c'est très agréable à lire. Franchement, gros coup de cœur, je vous le recommande chaudement. Le deuxième n'est pas aussi recommandé chaleureusement. C'est le nouveau roman de Stéphane Carlier, La vie n'est pas un roman, de Suzanne Cooper, paru chez le Cherche Midi, qui sort pareil, je crois, le 3 ou 4 avril. Je l'ai lu pour le boulot. Enfin, pour le boulot. J'avais lu et beaucoup aimé Clara Lee Proust, de cet auteur, qui était paru chez Gallimard il y a 2 ans, et du coup j'avais plutôt envie de découvrir son nouveau roman, même si ça n'avait pas l'air d'être du tout la même chose, parce que là on a l'air d'être un peu plus dans du, alors c'est pas du cozy murder, mais on sent que c'est un peu, ça tourne autour du polar. Et dans ce roman on va suivre une autrice à succès qui s'appelle Suzanne Cooper. Elle a écrit beaucoup beaucoup de polars qui ont connu beaucoup de succès. Elle écrit toujours, mais elle est un peu, quand même, on sent qu'elle est un peu blasée de son... En tout cas, de faire des tournées, de faire des dédicaces, on sent que c'est pas la meuf la plus, enjouée du monde. Elle a une mère qui perd la tête, un assistant qui l'assiste plus à surveiller sa mère qu'à vraiment l'assister dans son boulot.
Et un jour, elle a un message sur Instagram, une petite notification qui apparaît, et c'est une personne qui lui écrit en lui disant: j'ai tué quelqu'un, j'ai besoin de votre aide. Comme c'est un roman, elle va répondre à ce message Instagram et elle va prendre contact avec la personne qui lui a écrit ce message un peu étrange. Va s'en suivre toute une épopée un peu. Je ne veux même pas dire folle parce que. Pour moi, je vais plutôt dire une épopée un peu incroyable, mais dans le sens pas croyable. Je sais même pas si c'est ça le vrai souci. En fait, ce qui m'a posé. Bon. C'est pas un polar. C'est pas un polar, mais en fait, ce qui m'a gênée déjà profondément dans ce roman, c'est que je pense qu'au bout de la troisième fois où il m'a dit que les personnes grosses étaient repoussantes et moches, enfin, il m'avait perdu. Il m'avait perdu. Je pense que vraiment, à chaque fois qu'il a un personnage qu'il implante, un personnage vraiment, mais qui est là pour vraiment habiller le décor, il faut que cette personne soit grosse, inutile, moche, mais tout va ensemble, c'est-à-dire que c'est un package. Je ne sais pas si c'est pour dire que c'est le personnage de Suzanne Cooper qui pense comme ça, ou si c'est l'auteur qui se rend pas compte qu'il décrit des personnes à chaque fois qui sont soit agaçantes, soit groches, soit moches, soit étranges en même temps. Mais franchement, c'était agaçant. Même les hommes, enfin, alors c'est pas que des femmes, c'est beaucoup de femmes, mais il y a aussi un ou deux hommes qui en prennent pour leur grade. Mais c'est même pas des personnages importants, c'est des personnages secondaires, et je ne sais pas pourquoi ils insistent pour décrire leur physique. Et il faut absolument que ce soit grosse et moche. Voilà. Donc ça m'a beaucoup énervée. Je pense qu'en plus de ça, le roman n'a pas beaucoup d'intérêt parce que moi, enfin, je pense que tout le monde devine, vraiment, je pense que tout le monde devine le cœur du roman dès les premières pages. Enfin, je veux dire, ça me paraît évident. Je ne sais pas s'il y a un suspense ou s'il ne veut pas qu'il y ait de suspense, si le reste, c'est juste l'histoire qu'il veut nous conter. Mais moi, il m'a. Franchement, j'ai eu un désintérêt total. Les 100 premières pages, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas, parce que ça implante un peu le décor. Donc on se dit, ben, pourquoi pas, on va suivre cette nana qui a tué quelqu'un et qui se retrouve un peu coincée, qui fait appel à une écrivaine connue. Bah, ben, pourquoi pas, le pitch de départ est plutôt sympa. Mais oh, l'exécution, elle est vraiment pas terrible. Et les personnages sont vraiment pas sympathiques. Je sais pas, et encore une fois, je sais pas si c'est voulu. Ça se trouve, c'est pas censé être un suspense. Les personnages sont pas censés être sympathiques, mais moi, franchement, je me suis ennuyée alors que c'est pas censé être ennuyant. Je n'ai pas trouvé ça drôle si c'est censé être drôle. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait de suspense si c'est censé être de suspense. En fait, du coup, je comprends pas l'intérêt de ce livre. Bah, si, c'est ça. À la fois polar et comédie, précis d'humour anglais et manuel à l'usage des romanciers en herbe. Suzanne Cooper s'amuse des rapports entre la fiction et la réalité tout en déployant une intrigue entre 100 ans morts qui la rend impossible à lâcher. Ouais, ben. Non, pour moi c'est un loupé. Donc je ne sais pas lequel je vais commencer après, mais je pense que là j'ai lu comment dire? Les urgences boulot, c'était les deux parutions de début avril que je voulais avoir lues avant leur parution. Donc je pense que là je vais m'octroyer un peu comme migration, je vais m'octroyer une lecture pour moi et j'hésite avec la. Je reviens. Et j'hésite avec La librairie sur la colline de Alba Donati, publiée chez Bourgois. Donc voilà, je l'ai vu passer sur la chaîne Flowfly et il me fait très envie. Je reviendrai vous en parler si c'est lui que je lis. Sinon, je reviendrai vous reparler du prochain livre que j'ai lu. Sur ce, passez une belle journée, je vous dis à la prochaine. Bonjour, il y a eu un trou intersidéral entre le rush d'avant et celui d'aujourd'hui. Nous sommes le 10 avril, voilà.
Et j'ai lu des trucs, mais j'avais eu une semaine un peu. J'avais pas envie de me filmer. Voilà, je n'ai toujours pas envie de me filmer. En fait, je n'ai jamais envie de me filmer, mais j'ai toujours envie de parler des livres. Donc, le ratio se fait naturellement. Donc, je reviens vous parler de quelques livres et peut-être que je retournerai une séquence plus tard parce que sinon, ça va faire peut-être beaucoup d'un coup. Et que post-déjeuner, tout ça, je n'ai pas 10 000 temps devant moi. Je viens vous parler de Terrasse de Laurent Godet qui vient de sortir aux éditions Actes Sud avec en sous-titre Terrasse ou notre long baiser si longtemps retardé, qui parle des attentats du Bataclan qui se sont passés en novembre 2015. Ah, en fait, je me suis auto-fait piéger, c'est-à-dire que j'en discutais avec ma collègue qui était avant sur Paris et du coup elle disait que elle c'était trop anxiogène pour elle, que elle pouvait pas lire ce genre de choses et je lui ai dit, mais moi, comme j'ai pas vécu à Paris, que je suis pas à Paris, j'avais l'impression que ça me touchait moins, pas que c'était que j'en avais rien à faire, hein, pas du tout, mais que j'aurais plus une distance par rapport à la distance kilométrique. Mais en fait, pas du tout. Je pense qu'à chaque passage que je lisais, il y a plein de moments où vraiment, soit j'étais très émue, soit j'avais vraiment les larmes aux yeux. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il ne retrace pas un témoignage, il ne s'attribue pas la parole de survivants ou de pompiers ou de policiers. En fait, il dresse et c'est dit dans une petite vidéo qu'il y a sur le site Actes Sud, si jamais ça vous intéresse, ça dure 2 minutes et en fait, il parle un peu de ce livre, dans lequel il dit qu'en fait, il a voulu dresser des silhouettes et c'est un petit peu ça, c'est qu'en fait, on va suivre plein de personnes et en même temps aucune à la fois parce qu'on passe de personne en personne, d'événement en événement, donc on passe à avant. Les événements à les événements après les événements et avec plein de portraits de personnages, il y en a certains qui reviennent, mais voilà, en une centaine de pages, c'est très bref et donc du coup, on a plutôt l'impression de s'attarder, de pas s'attarder, mais en même temps, c'est tellement puissant que ben c'est obligé que même une personne qui reste, allez, je dis un paragraphe, ben on soit. On n'est pas cette personne, mais on vit ce qu'elle vit et c'est terrible. C'est terrible, mais c'est très très beau. Je me suis dit, jamais lu Laurent Godet, je vais tester. En plus, il est court. Et mais quelle claque. Franchement, une écriture somptueuse. En fait, j'ai été très intriguée par les premières lignes. J'ai lu ça et je me suis dit, je veux lire ce livre. Et aucun regret, c'était magnifique. Vraiment très émouvant. Et hier soir, j'ai fini enfin Leçon de chimie de Bonnie Garmus, l'a publié ici chez Pocket. En grand format, c'était chez Robert Laffont. Je préfère largement la couve de la VO et du grand format que je vous mettrai sur celle-ci. Mais bon, voilà, j'avais le poche, j'ai pris le poche. J'ai adoré. En fait, le problème de ce livre, il n'y a aucun problème avec ce livre, mais c'est que je l'ai commencé il y a vraiment, je pense, 2 mois, au moins 2 mois, en audio. Et je n'ai pas le temps d'écouter les livres audio, ou alors je n'y pense pas, ce n'est pas mon premier réflexe. J'adorerais, mais pour l'instant, c'est pas du tout ce à quoi je pense. Donc je l'ai laissé sur pause pendant un moment. Et en plus, le livre fait 530 pages, mais en audio, un chapitre, c'est 25 minutes. Alors qu'en lecture, j'allais dire physique, mais c'est 5 minutes. Donc en fait, à chaque fois, moi, j'avais l'impression de ne pas avancer. En fait, je me suis arrêtée. C'est simple, j'étais pile là. Il me restait tout ça. Et ça, je l'ai lu en même pas, fallait un jour et demi, 2 jours, même pas. Parce que ça se lit tout seul. Donc, Bonnie Garmus, son chimie, on suit Elisabeth Zott, qui est chimiste dans les années 60. Dans l'Amérique des années 60, autant dire l'Amérique patriarcale des années 60, et elle va clairement en chier, voilà, elle va vraiment en chier, et en même temps, elle va vivre des choses passionnantes, elle a un ton délicieux, c'est le mot en fait, ça fait délicieux parce que ça fait très, pas très anglais, mais elle a une répartie, une force de caractère et une intelligence très bien décrite par l'auteur, mais très bien incarnée, c'est incroyable, j'ai jamais lu quelque chose comme ça. Je trouve que c'est son premier roman, je crois, et j'ai très hâte d'en avoir un autre parce qu'elle a un ton et une écriture incroyable. Donc j'ai vraiment adoré. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que de un, je crois qu'on l'a vu pas mal tourner et en plus, à part dire que c'est sur l'histoire d'Elisabeth Zott, cette chimiste, juste vous dire que c'est incroyable. Voilà, je pense que ça suffit. Je vous le conseille fortement et moi je surveillerai avec grande impatience un prochain livre de Bonnie Garmus. S'il y en aura, s'il y en a, ce n'est pas français. Voilà, donc ça c'était mes 2 lectures de aujourd'hui, hier avant-hier. Et sinon, quelle heure il est? Si j'ai encore 5 petites minutes. Et sinon, j'aimerais revenir sur le recueil Être mère
paru aux éditions L'Iconoclaste, un recueil avec Julia Kerminon, je vous mettrai l'image ici. Julia Kerminon, Aline Dieudonné, Clémentine Beauvais. Et après, il y a 3-4 autres autrices, mais je ne me souviens plus. Autour de la maternité, ça va de l'allaitement à l'accouchement, à l'éducation, etc., le lien à l'enfant. Ça balaye plein de sujets à part de courtes histoires personnelles. Pour moi, c'est pas romancé, c'est romancé, c'est écrit, mais c'est leur vie. Par toutes ces écrivaines plus ou moins connues et qui ont une plume fantastique. C'était très intéressant, mais moi j'avoue que, on va dire poliment, que ça en a touché une sans faire bouger l'autre parce que je m'encarre un peu. Voilà, c'est tout. Mais c'était très beau, c'est très bien écrit, j'étais très curieuse, mais vraiment, typiquement la partie sur l'allaitement, j'en avais rien à faire. Voilà. Donc je l'ai lu, c'était sympa, je peux dire que je l'ai lu, c'est tout. Non, en vrai, je vais dire plus parce que sinon ça sonne vraiment très, très dénigrant. Si la figure de la maternité, de la mère, si tout ce processus vous intéresse, c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Moi, je n'avais rien à faire. Sur ce, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai retrouvé, je voulais vous parler, mais c'est pareil, je vais essayer d'aller très vite. Désolée pour ceux qui n'aiment pas quand je vais trop vite, mais là, je suis obligée. J'ai lu Méduse de Jessie Burton aux éditions Gallimard Jeunesse qui est paru ou qui paraît cette semaine. Je ne sais plus. Je crois qu'il paraît le 10 ou le 11 avril. J'avais très envie parce que je suis très curieuse de l'écriture de Jessie Burton parce que j'ai Miniaturiste dans ma palle, donc un roman qu'elle a fait pour les adultes. Je l'ai dans ma palle depuis des années, mais je suis très curieuse de le lire et j'avais envie de découvrir sa plume par un roman beaucoup plus court parce que Méduse fait genre même pas 200 pages. Était très gros, c'est une revisite, une réécriture du conte de Méduse. C'est pour ça que ça va aller vite, c'est qu'il n'y a pas grand chose à en dire. J'ai été très déçue, j'en attendais énormément et en fait, il n'y a pas grand chose à en dire. Je n'ai pas trouvé ça très original, je n'ai pas été plus touchée que ça. C'est intéressant dans le sens où ça va parler de violence sexuelle et de féminisme, mais j'ai l'impression que dans les réécritures de contes, c'est un peu tout ce qu'on a en ce moment. Donc, je dis pas que c'est mal, je dis juste que du coup, ça n'a rien de très original ni de très innovant. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'a écrit en anglais, mais ça, voilà. Et il y avait deux, trois phrases très cucu. Et encore une fois, je lis de la romance, donc pour que je dise ça, c'est qu'il faut vraiment que ce soit très cucu, que j'ai trouvé, mais très en décalage avec le ton de l'histoire. Non, franchement, pour moi, c'était pas une franche réussite. Je pense que c'est très intéressant si vous aimez les réécritures de contes. Moi, ça ne m'a pas trop touchée. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien écrit. C'est juste que moi, ça ne m'a pas captivée et j'en ressors avec juste une. Un peu comme être mère. Je l'ai lu, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et je veux aussi. J'en ai vraiment. Il faut vraiment que je me chronomètre là parce que je dois pas tarder à y aller. J'ai lu, et c'est ce que je vous disais à la fin du dernier rush, j'ai bien lu La colline. La librairie sur la colline d'Alba Donati. J'espère que je ne me trompe pas. Je remettrai le visuel ici aussi. Aux éditions Bourgois, qui est sorti là en poche il y a quelques semaines, quelques jours, que j'ai lu sur les conseils indirects de Flowfly. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous dit. J'avais très envie de le découvrir et j'ai adoré. C'était une très bonne lecture qui raconte l'histoire vraie de Alba Donati, qui était dans le milieu de l'édition et qui a décidé d'ouvrir une petite librairie dans un village perdu de Toscane de 180 habitants. Pendant le Covid, donc elle a cumulé la totale, c'est-à-dire librairie, ouvrir une librairie pendant le Covid dans un village perdu, dans les montagnes. Et elle raconte son périple sous forme d'un journal de bord sur 6 mois, il me semble, de janvier à juin, avec chaque jour des petites anecdotes sur la librairie, les commandes qu'elle a eues, donc les livres qu'elle a vendus, des anecdotes sur les gens qui y travaillent parce que c'est un peu ouvert aux habitants et aux amis, des choses sur sa famille, etc., des choses un peu sur les milieux littéraires, elle fait des recolectures, c'est passionnant, je pense pour que tous ceux qui aiment les librairies, les livres, etc., c'est passionnant, et surtout elle a fait, en fait elle a ouvert sa librairie, il y a eu un incendie, donc genre très peu de temps après qu'elle l'ait ouvert, et elle raconte aussi la reconstruction de cette librairie, l'engagement des gens, le soutien financier de plateformes participatives et même de gens extérieurs. Donc c'était passionnant, sur 6 mois, ça se lit tout seul, franchement c'était super et il y a plein de livres que ça donne envie de lire. On sent qu'elle est très engagée, qu'elle met en avant vraiment que les coups de cœur, enfin c'est vraiment, c'était super. Donc je crois que j'ai fait le tour très rapidement j'espère de toutes les lectures que j'ai faites depuis la dernière fois où j'ai filmé. Et si ce n'est pas trop long, je remettrai un rush pour les prochaines lectures, sinon ce sera la fin de ce point lecture vlog toujours, je ne sais toujours pas. Voilà, je vous reprends soit pour clôturer, soit pour refaire un point lecture et je vous dis à bientôt.
Nous sommes samedi 13 avril et je viens ici clôturer ce pseudo-vlog. J'appellerai toujours ça des pseudo-vlogs. Avec un dernier petit coup de cœur manga. C'est Le goût des fraises de Hirono, publié chez Kurokawa. Pour l'instant, il y a deux tomes. C'est une série prévue en quatre. Et je l'ai lu les deux tomes. Mais c'est une série qui sera prévue en quatre. Mais. C'est une série qui sera prévue en quatre tomes et ça nous raconte l'histoire de cette jeune femme qui va aider son grand-père qui est hospitalisé suite à un accident sur sa plantation, on appelle ça comme ça, exploitation de fraises. Et c'est ce jeune homme, enfin ce jeune homme de 13 ans son aîné, donc elle a 20 ans, il en a 33, qui va l'aider à s'occuper de l'exploitation et à découvrir un peu comment on s'occupe des fraises, voilà, des fraisiers et des fraises. C'était très mignon, ça ne révolutionne rien, mais c'était vraiment un très bon moment, j'ai trouvé ça très choupinou, c'est rigolo parce que les deux comment dire, se loupent un petit peu à plusieurs moments, on sent qu'il y en a un qui a envie et puis l'autre n'ose pas avouer, et puis c'est très mignon, ça ne révolutionne rien, mais c'est très bien fait, et si vous avez envie d'une petite romance en peu de tomes, je vous la conseille. Je vous laisse ici, j'espère que de votre côté tout va bien, que vous faites de belles lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des derniers coups de cœur, peu importe le style, en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.